Conan Doyle, L'aventure du marchand de couleurs retraité des affaires. Traduction de Carol. Sherlock Holmes était d'humeur mélancolique et philosophique ce matin-là. Son naturel pratique et vif était sujet à de telles variations. L'avez-vous vu ? Me demanda-t-il. Vous voulez parler de l'homme qui vient juste de sortir ? Précisément. Oui, je l'ai rencontré à la porte. Et que pensez-vous de lui ? C'est une créature pathétique, futile, dévastée. Précisément, Watson, est-ce pathétique et futile ? Mais l'existence tout entière n'est-elle pas, elle, pathétique et futile ? La propre histoire de la vie de cet homme n'est-elle pas un microcosme reflétant celle du monde tout entier ? Nous touchons au but que nous nous sommes fixés, nous l'atteignons, et que nous reste-t-il en définitive ? Un mirage, ou pire qu'un mirage, la pauvreté. Cet homme est-il un de vos clients ? Eh bien, je suppose qu'il convient de le considérer comme tel. Il m'a été envoyé par le Yard, tout comme un médecin adresse parfois ses malades incurables à la médecine parallèle, arguant qu'il ne peut rien faire de plus et qu'il ne peut toutefois rien arriver de pire à son patient que ce qu'il attend. Et de quoi s'agit-il ? Holmes s'empara d'une carte de visite à l'apparence plutôt sale posée sur la table. Josiah Amberley se présente comme l'associé de Brickfall and Amberley, qui sont des fabricants de fournitures artistiques. Vous pouvez lire le nom de leur entreprise sur la majorité des pots de peinture aujourd'hui commercialisés. Il a tiré son petit profit de ses affaires, puis il a pris sa retraite à l'âge de 61 ans. Il a acheté une demeure à Lewisham et il est installé afin de se reposer d'une vie de dur labeur. D'aucuns auraient pu penser que son avenir était tout tracé. Oui, en effet. Holmes consulta quelques notes qu'il avait griffonnées au verso d'une enveloppe. Retraite en 1896, Watson. Au début de l'année 1897, il épousa une femme de 20 ans, sa cadette. Une très belle femme, à en croire la photographie que contient cette enveloppe. Une situation matérielle confortable, une épouse du temps libre, sa route semblait toute tracée. Et pourtant, 2 ans après, il ne reste plus de lui que la créature misérable que vous avez aperçue se traînant péniblement sur cette terre. Mais que lui est-il arrivé ? Oh, l'éternel refrain, Watson. Un traître pour ami et une épouse volage. Amberley avait pour passion les échecs. Non loin de lui vivait aussi Lewisham, un jeune médecin, qui était lui aussi joueur. J'ai noté son nom ici, le docteur Ray Ernest. Ernest entrait fréquemment en visite à Amberley, et il n'est pas surprenant que de certains liens se soient créés entre Mrs. Amberley et lui, car vous n'avez pas été sans remarquer que notre nouveau client ne possède que peu d'atouts au regard du physique, quelles que puissent être par ailleurs ses autres qualités. Le couple légitime s'est enfui la semaine passée, destination inconnue. Et qui plus est, l'indélicate épouse n'a pas omis d'emporter dans ses bagages une boîte appartenant à son époux, et dans lequel celui-ci refermait la majeure partie de ses économies. Alors sommes-nous en mesure de retrouver la jeune dame ? Ne sera-t-il possible de remettre la main sur l'argent ? Un problème ordinaire, d'aussi loin que l'on peut juger, et répondant d'une importance vitale en ce qui concerne Josiah Amberley. Et que comptez-vous faire ? Eh bien, la première question que nous devons nous poser, Watson, est en réalité ce que vous comptez faire. Si vous voulez bien toutefois avoir l'obligeance de m'assister dans cette affaire.
Vous savez que je suis actuellement très pris par l'affaire de ces deux patriarches coptes dont le dévouement est imminent. Je n'ai réellement pas la possibilité de me rendre à Levisham en ce moment. Et pourtant, chaque preuve qui pourra y être récoltée aura son importance. Notre client a fortement insisté pour que je me rende chez lui en personne. Mais après que je lui ai exposé mes difficultés, il a accepté de recevoir un assistant. J'essaierai, répondis-je. Bien que je ne pense pas pouvoir rendre de grands services, je ferai cependant mon possible. Et c'est ainsi que, par cet après-midi d'été, je me mis en route pour Levisham, bien loin d'imaginer qu'à peine une semaine plus tard, cette affaire ferait les gros titres des journaux d'Angleterre. Ce ne fut que plus tard dans la soirée que je m'en retournai à Baker Street pour rendre compte de mes observations à Holmes. Mon ami était enfoncé dans son fauteuil habituel, la mine allongée, fumant sa pipe, de laquelle s'élevaient d'épaisses volutes d'une fumée âcre, les paupières si lourdement affaissées que l'on aurait pu penser qu'il dormait, si elles ne se réouvraient subitement, lorsqu'à mon récit il nécessitait que je reprenne haleine et que je lui apporte quelques précisions complémentaires. Deux prunelles grises me fixaient alors d'un regard vif, acéré et inquisiteur. The Haven est le nom donné par M. George Armbury à sa demeure, précisai-je. Je pense que vous la trouveriez intéressante, Holmes. Elle reflète un peu le caractère d'un patricien parcimonieux qui se serait mêlé à la plèbe. Vous connaissez sans doute ce quartier, caractérisé par la monotonie de ses habitations en briques, auxquelles conduisent de tranquilles routes suburbaines. Au beau milieu se dresse cet îlot, emblème de culture ancestrale et de confort. Cette vieille demeure, entourée d'un haut mur, la protégeant contre les rayons du soleil et sur lequel grimpent les lichens et autres mousses, le genre de mur que... Oh, trêve de poésie, Watson, coupa Holmes abruptement. J'ai bien compris que ce n'était que sur un mur de briques dont il s'agissait. Oui, exactement. Je n'aurais jamais pu trouver Sea Haven si je n'avais pu au préalable interroger un logeur du quartier qui fumait au coin de la rue. J'ai une raison précise pour le mentionner. C'était un homme grand, sombre à la moustache proéminente, aux allures militaires. Il eut un hochement de tête affirmatif à la question que je lui adressais et me jeta un curieux regard inquisiteur dont j'eus par la suite l'occasion de me souvenir. J'avais à peine passé le porche que j'aperçus M. Amberley qui descendait l'allée pour venir à ma rencontre. Je l'avais à peine entrevu dans la matinée et il m'avait fait l'effet d'être un être étrange. Mais quand j'eus l'occasion de l'observer en pleine lumière, son apparence m'apparut moins extraordinaire. « Je m'étais bien entendu livré un examen de la personne, » dit Holmes, « mais je serais également curieux d'avoir votre impression. Oh, » Il me fit l'effet d'être un homme accablé par les soucis. Son dos est voûté comme s'il portait un lourd fardeau. Mais cependant, il ne me paraissait plus si faible que lorsque je l'avais d'abord entrevu, car je notais que ses épaules et sa poitrine sont larges, bien que son tronc ne soit porté que par des jambes fluettes. Sa chaussure gauche comporte de nombreux plis alors que la droite n'en comporte pas. Oh, je ne m'en suis pas aperçu. Non, bien sûr, c'est à cause de sa jambe artificielle. Mais continuez, je vous en prie. J'ai été frappé par les mèches sales de ses cheveux grisonnants qui s'échappaient en boucle de son vieux chapeau de paille, ainsi que par son visage, sur lequel se lit une expression farouche, avide,
les traits sont creusés, etc. Très bien, très bien, Watson. De quoi avez-vous parlé? Il a commencé par m'exposer ses griefs. Nous avons remonté l'allée ensemble et, bien sûr, j'ai jeté un coup d'œil sur les alentours. Oh, je n'ai jamais vu d'endroit aussi laissé à l'abandon. Toutes les plantes du jardin sont montées en graines. Elles m'ont fait l'effet d'être livrées à elles-mêmes, obéissant davantage aux règles que leur a fixées la nature plutôt qu'à celles de l'esthétique. Aucune femme digne de ce nom n'aurait pu tolérer un tel état d'abandon, selon moi. La maison elle-même était dans un désordre de la pire espèce, mais le pauvre homme semblait en avoir conscience et avait probablement tenté d'y remédier, car un pot de peinture verte trônait dans le hall et il tenait d'ailleurs dans sa main gauche un épais pinceau. Il venait d'en repeindre les boiseries, et alors il m'introduisit dans ce misérable sanctuaire qui était le sien et nous eûmes une longue conversation. Bien sûr, il s'est montré quelque peu désappointé que vous ne soyez pas venu en personne. « Je ne m'attendais guère, dit-il, à ce qu'un pauvre air tel que moi, et en particulier après avoir subi une si lourde perte financière, ait pu susciter l'intérêt du célèbre Sherlock Holmes en personne. Je lui assurais, bien entendu, sur la question financière n'était pas entrée en ligne de compte. Non, bien sûr, c'est avant tout pour l'amour de l'art que l'artiste travaille, ajouta-t-il. Monsieur Holmes eut d'ailleurs pu trouver ici un sujet d'étude en matière d'art criminel. Car que dire de la nature humaine, docteur Watson, de sa noire et complète ingratitude? Je ne suis jamais opposé au moindre des désirs de cette femme que j'ai choyée. Et quant à ce jeune homme, je le considérais comme mon propre fils. Ma maison était devenue la sienne. Et pourtant, regardez de quelle façon ils m'ont traité. Oh, docteur Watson, quel horrible, horrible monde! Et ce fut là son reproche, son refrain, pendant une bonne heure. Il n'avait, semblait-il, pas eu le moindre soupçon quant à cette liaison. Il vivait seul avec sa femme. Une femme de charge prenait chez eux son service le matin et regagnait son domicile le soir à 6 heures tapantes. Ce fameux soir, Amberley avait réservé, pour faire plaisir à sa femme, 2 places aux loges de Haymarket Theatre, et au dernier moment, celle-ci, s'étant plein de maux de tête, refusa de l'accompagner. Il s'y rendit donc seul. Ce fait semble avéré, puisque là, il a conservé en sa possession le billet inutilisé. Mais voilà qui est remarquable, réellement remarquable, dit Holmes, dont l'intérêt commençait à s'éveiller peu à peu. Continuez, je vous prie, Watson. Je trouve votre récit les plus passionnants. Avez-vous personnellement examiné le billet? Vous n'auriez pas par hasard relevé son numéro? Il s'avère que je m'en souviens, affirmai-je avec fierté. Il correspond à mon ancien numéro au collège et pour cette raison, il est resté gravé dans ma tête. C'est le numéro 31. « Excellent, Watson. Le numéro de siège occupé par Amberley était donc par conséquent le 30 ou le 32. »« Oui, cela semble évident, répondis-je d'un air mystérieux. Et qui plus est, situé au rang B. »« Mais vous êtes fascinant, Watson. Et que vous a-t-il révélé d'autre ?» Il m'a montré ce qu'il appelle sa chambre forte. Cela en est une réellement, à l'image de celle que l'on trouve dans les banques, fermée par portes et serrures de fer. À l'épreuve des voleurs, m'a-t-il dit. Cependant, sa femme
semble s'être procuré un double des clés. Le couple légitime à illégitime a dérobé quelques 100 000 pounds de valeur en argent et titres. En titres? Mais comment donc pourront-ils les écouler? Oh, Merlet m'a dit avoir remis à la police une liste des titres dérobés, espérant ainsi les rendre invendables. Il est rentré du théâtre vers minuit et a trouvé l'endroit pillé, les portes des fenêtres grandes ouvertes et les fugitifs en fuite. Il n'avait laissé ni lettre ni message à son intention et il n'a plus entendu parler d'eux depuis. Il a donné l'alarme à la police. Holmes resta songeur quelques minutes. Vous avez dit qu'il était en train de peindre. Et que repeignait-il exactement? Ou bien il repeignait le corridor. Mais il avait déjà fini de repeindre la porte et les boiseries de la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Mais cela ne vous a-t-il pas paru être une occupation des plus étranges dans les circonstances actuelles? Oh, chacun s'occupe comme il peut pour oublier sa douleur, fut son explication. Excentrique, certes, mais n'est-il pas lui-même un homme excentrique? Il a déchiré une photographie de sa femme en ma présence, déchiré dans un accès de passion rageuse. Je ne veux pas jamais revoir son visage maudit, a-t-il hurlé. Quelque chose d'autre, Watson? Oui, une chose m'a frappé, plus que tout autre. Après être reparti pour Blackheath Station et avoir sauté dans un train de justesse, j'ai vu un homme s'élancer à ma suite dans la voiture située à côté de la mienne. Vous savez que j'ai la mémoire des visages, Holmes. C'est indubitablement le grand et sombre homme auquel je m'étais adressé dans la rue. Je l'ai aperçu une nouvelle fois à London Bridge, puis je l'ai perdu dans la foule. Mais je suis convaincu qu'il me suivrait. Sans aucun doute, me dit Holmes. Un homme grand à la moustache proéminente, avez-vous dit, avec des lunettes de soleil grises. Holmes, mais vous êtes un sorcier. Je ne vous ai pas dit, mais oui, il avait des lunettes de soleil grises. Et une épingle de cravate maçonnique? Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Mais revenons à notre affaire. Je dois confesser que ce cas, qui me semblait si banal, qui ne méritait guère que je m'y intéresse, s'avère en réalité d'une nature tout autre que je ne l'avais supposée. Il est vrai que, bien que des éléments essentiels aient échappé à notre attention lors de votre inspection sur les lieux, certains de faits que vous m'avez rapportés ont la plus grande importance. Quelles choses ont échappé à mon attention? Ne vous vexez pas, mon cher. Vous savez que mes remarques n'ont rien de personnel. Aucun autre n'aurait fait mieux que vous. Eh bien, certainement pas aussi bien. Vous avez cependant clairement omis de relever quelques indices essentiels. Quelle est l'opinion du voisinage sur ce monsieur Amberley et sa femme? Voilà qui certainement a une importance. Qu'en est-il du docteur Ernst? Est-il le joyeux Lothario auquel on pourrait s'attendre? Votre physique avantageux fait de chaque femme votre complice et votre esclave, Watson. Vous auriez dû tenter d'interroger la préposée du bureau de poste ou encore la femme de l'épicier. Je vous imagine très bien susurrant des petits riens à l'oreille de la jeune dame du Blue encore, obtenant monts et merveilles en rebours. De tout cela, vous n'avez rien fait. Cela peut encore être fait. Mais cela a été fait.
Grâce au téléphone et avec la complicité du yard, je suis toujours en mesure d'obtenir le renseignement que je désire sans quitter cette pièce. Les informations qui m'ont été transmises confortent la version que nous a livrée notre homme. Sa réputation est celle d'un avare et d'un mari intransigeant et exigeant. Il passait pour enfermer une importante somme d'argent dans la pièce que vous avez visitée. Il jouait effectivement aux échecs avec le docteur Ernest, un jeune célibataire, lequel jouait en retour très certainement avec sa femme. Tout cela semble clair comme de l'eau de roche. On pourrait penser qu'il n'y a rien à y ajouter, et pourtant, pourtant. Mais que voyez-vous d'autre à ajouter? Oh, les faits, sans doute tout droit sortis de mon imagination. Mais laissons cela, Watson. Évadons-nous de cette interminable journée de travail par la petite porte de la musique. Carina chante ce soir au Albert Hall. Nous avons tout juste le temps de nous habiller pour dîner afin de passer un agréable moment musical en sa compagnie. Je me levai le lendemain matin de bonne heure, mais quelques miettes et deux coquilles d'œufs vides m'avertirent que je n'avais pas été le plus matinal. Je trouvai un billet griffonné à mon attention sur la table. Mon cher Watson, il y a quelques points de détail que je désire aborder avec M. Joseph Amberley. Après cela, nous pourrons passer ou non cette affaire. Je vous demande seulement de bien vouloir vous rendre disponible aux environs de 3 heures. Il se pourrait que j'ai besoin de vous, S.H. Je le vis pas Holmes de toute la journée, mais à l'heure exacte indiquée, il était de retour, la mine grave, préoccupé, lointaine. Dans de tels moments, il était préférable de le laisser à lui-même. « Amberley est-il déjà là ?»« Oh, non. »« Oh, mais je m'attendais à sa venue pourtant. » Ses espoirs ne furent cependant pas déçus, car notre client fit son entrée à l'instant, la mine déconfite et une expression d'inquiétude sur son visage austère. « Je viens de recevoir un télégramme, monsieur Holmes, auquel je ne comprends absolument rien. » Il le tendit à mon ami, lequel le lut à voix haute. « Venez sans tarder, je puis vous communiquer des informations quant à la perte que vous avez dernièrement subie. Hellman, au presbytère. » Expédié à 2h10 du bureau de Little Purlington, dit Homer Holmes. Mais Little Purlington se trouve dans l'Essex, il me semble, non loin de Fintown. Bien alors, mettez-vous en route immédiatement. Ce télégramme émane d'une autorité responsable puisqu'il vient du presbytère. Oh, où est mon Crockford? Ah, voilà. J.C. Blanc, l'homme Master of Arts, habitant de Moonsmoor, Little Purlington. Envoyez donc les horaires de train, Watson. Il y en a un à 5h20 qui part de Liverpool Street. Ah, oh, excellent. Vous feriez mieux de m'accompagner, Watson, Monsieur Amberley, pour avoir besoin d'aide ou de conseil. Clairement, nous atteignons un point crucial dans cette affaire. Mais notre client ne semblait pas pressé de se mettre en route. « C'est parfaitement absurde, monsieur Holmes, dit-il. Que pourrait bien savoir cet homme au sujet de ce qui s'est passé? C'est une perte de temps et d'argent. » Il ne nous aurait pas télégraphié s'il ne savait pas quelque chose. Répondez que vous arrivez de suite. Oh, je ne crois pas qu'il me soit nécessaire de m'y rendre. Holmes se prit un visage sévère. Et votre refus
aurait pour conséquence de produire la plus mauvaise impression possible sur le service de police et sur moi-même, sur Amberley. Si, à proximité immédiate d'un tel indice, vous le laissiez sciemment nous échapper, nous pourrions penser que toute cette enquête n'est en définitive pas dans votre intérêt. Notre client eut l'air horrifié. Bien sûr, j'y vais, si vous le prenez ainsi, dit-il. De l'autre côté, il me semble absurde que cette personne puisse tenir la moindre information, mais si vous insistez... J'insiste, dit Holmes avec emphase. Et nous mettons en route. Holmes avait pris à part peu avant que nous le tirions la pièce et il m'avait donné un conseil d'importance. À n'importe quel prix, veillez à ce qu'il s'éloigne, dit-il. S'il échappe à notre attention ou rebrousse chemin, forcez au bureau de poste le plus tôt et possible et télégraphiez, échappez. Je m'arrange ici pour que ce télégramme me parvienne, quel que soit l'endroit où je me trouve. Little Paddington n'est pas un lieu facile d'accès, car il est situé sur une voie secondaire. Le souvenir que je conserve de ce voyage n'est pas des plus agréables, en raison de la chaleur de la température, de la lenteur du train, ainsi que de la maussaderie et du silence le plus absolu qu'observait mon compagnon, qui ne daigna m'adresser la parole que pour ironiser sur l'absurdité de ce voyage. Lorsque nous atteignîmes finalement la petite gare de Little Paddington, il nous fallut encore parcourir 2 kilomètres avant d'arriver au presbytère, au sein duquel un grand, solennel, ou plutôt, devrais-je dire, pompeux, vicaire, nous reçut dans son bureau. Notre télégramme était étalé devant lui. « Bien, gentleman, demandait-il, que puis-je faire pour vous ?»« Nous sommes venus, expliquai-je en réponse au télégramme, que vous nous avez adressé. » « Quel télégramme ? Je n'ai adressé aucun télégramme. » « Je parle du télégramme que vous avez expédié à M. Joseph Amberley au sujet de sa femme et de son argent. »« Oh, si c'est une plaisanterie, monsieur, elle est douteuse, » dit le vicaire avec aigreur. « Je n'ai jamais entendu parler du gentleman dont vous citez le nom, et je n'ai envoyé aucun télégramme à personne. » Notre client et moi-même nous regardâmes avec surprise. « Peut-être y a-t-il erreur, monsieur, dis-je. Y aurait-il par hasard 2 presbytères ? Voici le télégramme en question, signé Hellman et disant provenir du presbytère. » « Non, il n'y a qu'un seul presbytère, monsieur, et par conséquent un seul vicaire. Et ce télégramme est une invention scandaleuse, dont l'auteur pourra sans doute être identifié par la police. En de telles circonstances, je ne vois pas intérêt à prolonger cet entretien. » C'est ainsi que M. Amberley et moi-même nous retrouvâmes sur l'unique route qui traversait ce qui m'a paru être le village le plus primitif de toute l'Angleterre. Nous nous dirigeâmes vers le bureau de poste, mais il était déjà fermé. Il y avait un téléphone cependant au petit établissement du Railway Arms, et j'eus au bout du fil Holmes, qui partagea notre surprise quant à l'issue de notre voyage. « Fait des plus singuliers !» dit la voix distincte dans le combiné. « Tout à fait incroyable ! Oh, je crains cependant, mon cher Watson, qu'aucun train ne reparte pour Londres ce soir. Voilà bien malencontreusement exposé à subir pour une nuit le manque de commodité d'une auberge de campagne. Cependant, il vous laisse la nature, Watson. La nature et Joseph Amberley.
voilà en mesure d'être en pleine communion avec ces deux éléments. » Et j'entendis son petit rire sec avant qu'il ne raccroche le combiné. Il m'apparut bientôt que la réputation d'avare de mon compagnon n'était pas imméritée. Il n'avait eu de cesse de souligner la dépense occasionnée par le voyage, ayant insisté pour que nous voyagions en troisième classe, et émettait à présent les plus féroces objections quant au règlement de la note d'hôtel. Lorsque nous regagnâmes finalement Londres le lendemain matin, il aurait été difficile de déterminer lequel de nous deux était le plus mauvaise humeur. « Je voudrais nous rendre sans tarder à Baker Street, dis-je. Monsieur Holmes aura sans doute des nouvelles à nous communiquer. »« Bouf, si elles valent les précédentes, mieux vaut nous abstenir de les entendre, » rétorqua Amberley avec humeur. Il m'accompagna cependant. J'avais averti par télégramme Holmes de l'heure de notre arrivée, mais nous trouvâmes en place de sa personne une note dans laquelle il nous indiquait se trouver à Lichfam et nous attendre là-bas. Voici qui était surprenant, mais ce qui le fut davantage fut de ne pas le trouver seul. Nous le trouvâmes au salon de la demeure de notre client, en compagnie d'un homme sombre aux lunettes de soleil grises et qui arborait une épingle maçonnique à sa cravate. « Je vous présente mon ami, Monsieur Barker, » dit Holmes. « Il s'est également intéressé à notre affaire, Monsieur Amberley, bien que nous ayons travaillé indépendamment l'un de l'autre. Mais nous avons cependant la même question à vous poser. » Monsieur Amberley s'affaissa dans un fauteuil. À en juger par sa physionomie et ses traits contrastés, il redoutait un danger imminent. « Quelle est cette question, monsieur Holmes ?»« Oh, celle-ci simplement. Qu'avez-vous fait des corps ?» L'homme sauta sur ses pieds en poussant un cri rauque, ses mains osseuses et recroquevillées fendant l'air telles d'abominables cerfs et sa bouche grande ouverte, lui donnant l'aspect d'un terrible rapace. Un instant, nous eûmes devant nous le véritable Josiah Amberley, créature difforme dont l'âme était aussi tordue que le corps. En retombant sur sa chaise, il plaqua une main à ses lèvres en étouffant une toux. Holmes lui sauta à la gorge tel un tigre et lui plaqua le visage contre terre. Aussitôt, une pastille blanche s'échappa de ses lèvres haletantes. Pas de moyen détourner, Josiah Amberley. Les choses doivent être faites selon les règles. Est-ce également votre avis, Barker? Une voiture attend devant la porte, dit le taciturne compagnon. Bon, il n'y a que quelques kilomètres d'ici à la gare. Nous irons ensemble. Restez, Watson, je serai de retour dans moins d'une demi-heure. » Bien que le marchand de couleurs eût la force d'un lion, il ne put lutter entre les mains des deux adversaires expérimentés. Se roulant et se tordant, il fut traîné sur le sol jusqu'à la voiture qui attendait, et je fus laissé à ma garde solitaire dans cette affreuse maison. En moins de temps qu'il ne l'avait annoncé, cependant, Holmes était de retour en compagnie d'un jeune inspecteur à la mine intelligente. « Je laissais le soin à Barker de s'occuper des formalités, » dit Holmes. « Vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer Barker, Watson. Il est du Surrey Shore, mon pire et loyal concurrent. » Quand vous avez parlé d'un homme sombre de grande taille, il ne me fut pas difficile de l'identifier et de compléter sa description.
Il a un certain nombre d'enquêtes résolues à son actif, n'est-ce pas, inspecteur? Oh, nul doute qu'il n'ait parfois interféré dans quelques-unes, répondit l'inspecteur avec une certaine réserve. Ses méthodes sont parfois peu recommandables, en effet, mais ne peut-on pas en dire autant des miennes? Le recours au service d'un détective peut parfois s'avérer utile. Tenez par exemple, avec les avertissements d'usage, selon lesquels tout ce qui sera dit pourrait être retenu contre l'intéressé. Le policier n'aurait jamais arraché à ce bandit l'ombre d'une confession. Peut-être que non, en effet. Mais la vérité aurait fini par éclater au grand jour, monsieur Holmes. N'allez pas vous imaginer que nous n'avions pas formé nos propres conclusions dans cette affaire et que nous n'aurions pas fini par mettre la main sur notre homme. Il nous est difficile de sauter de joie lorsque vous sautez vous-même à pieds joints dans une enquête en recourant à des méthodes que nous vous interdisons d'utiliser et que vous nous voliez en détective la vedette. Oh, personne ne vous volera cette fois la vedette, inspecteur McNunn. Je disparais à compter de l'instant présent de cette affaire, et quant à Barker, il n'a joué d'autre rôle dans l'enquête que celui que je lui avais demandé d'assumer. Les traits du visage de l'inspecteur se détendirent. Voilà qui est généreux de votre part, monsieur Holmes. La critique, bonne ou mauvaise, nous importe peu sans doute, mais il n'est pas de même pour nous, surtout quand les journaux s'en mêlent. Justement, comme nous sommes à peu près sûrs qu'il nous faudra répondre aux questions de la presse, je vous propose que nous préparions ensemble vos réponses. Que répondrez-vous, par exemple, au rusé et insistant reporter qui vous interrogea sur les indices qui ont fait naître vos soupçons et qui vous ont donné l'assurance de la culpabilité de notre homme? L'inspecteur eut l'air consterné. Mais il semble que nous ne disposions pas encore de preuves certaines, monsieur Holmes. Vous avez dit que le prisonnier, en présence de trois témoins, avait comme avoué avoir tué sa femme et l'enfant de l'amant de celle-ci par le fait qu'il ait tenté de se suicider. Mais de quels autres éléments de preuve disposez-vous? Avez-vous ordonné que l'on fouille la maison? Oui, trois de mes hommes sont en route pour nous rejoindre. Dans ce cas, vous n'allez pas tarder à obtenir la preuve la plus flagrante du double meurtre. Les corps ne doivent pas être loin. Fouillez les caves et le jardin. Oh, il ne faudra pas longtemps sans doute pour creuser et inspecter les lieux. Les canalisations de la demeure ont été installées après la construction de celle-ci. Il doit donc exister un puits désaffecté quelque part. Tentez votre chance de ce côté. Mais comment avez-vous su? Et comment ces meurtres ont-ils été commis? Je vais vous démontrer en premier lieu comment ils ont été commis, et je vous livrerai dans un second temps les explications qui vous reviennent de droit, et plus encore à mon patient ami ici présent, dont l'aide m'a été inestimable tout au long de cette enquête. Mais avant tout, je vais vous donner un léger aperçu de la mentalité de cet homme. Elle est peu commune, si extraordinaire d'ailleurs que je suppose qu'il a davantage de chances d'être condamné à un long séjour au Broadmoor Psychiatric Hospital qu'à l'échafaud. Sa personnalité reflète davantage un degré très poussé, un tempérament italien du Moyen Âge, plutôt qu'une perception britannique contemporaine. D'une avarice redoutable, il rendit sa femme si malheureuse par son caractère mesquin que celle-ci devint la proie facile du premier aventurier venu, lequel se présenta en la personne du médecin
joueur d'échecs, discipline dans laquelle excellait par ailleurs Amberley, trait caractéristique d'un esprit d'une intelligence supérieure. Comme tout avare, Amberley était jaloux et sa jalousie prit des proportions gigantesques. À tort ou à raison, il suspecta une liaison entre sa femme et le docteur Ernest, et il résolut de se venger et il élabora pour ce faire un plan diabolique. Venez voir par ici. Holmes nous conduisit à travers un corridor sans manifester la moindre hésitation, comme s'il avait depuis toujours demeuré dans la maison jusqu'à la chambre forte. Pouah ! Quelle horrible odeur de peinture ! C'est irrespirable ! S'écria l'inspecteur. Mais c'est ce qui m'a mis sur la piste, dit Holmes. Vous pouvez remercier le docteur Watson pour son sens de l'observation, bien qu'il n'ait pas tiré de cet indice les conclusions qui s'imposaient. Mais il m'a mis le pied à l'étrier. Pourquoi cet homme s'attachait-il à emplir sa maison de fortes odeurs? Évidemment pour couvrir d'autres odeurs plus faibles, mais compromettantes, susceptibles de le perdre. Je songeai ensuite à cette pièce hermétiquement close, aux portes et serrures de fer. Où me mènerait l'association de ces deux idées? Je ne pouvais le savoir qu'en procédant à un examen minutieux de la maison. J'étais cependant déjà certain que ce cas était sérieux, car j'avais pris mes renseignements au Roche Market Theatre, suite aux pertinentes remarques qui m'avaient été fournies par le docteur Watson, et constaté que ni la place numéro 30 ni la place numéro 32 du cercle supérieur du rang B n'avaient été occupées ce soir-là. Amberley ne s'était donc pas rendu au théâtre et son alibi était faux. Amberley a fait un faux raisonnement. Et il a fait un faux pas en permettant à mon astucieux ami de relever le numéro du siège retenu pour sa femme. Il me restait à présent à trouver un moyen d'examiner la demeure. J'envoyais un homme dans le village le plus reculé auquel je pus penser et m'allongeais pour qu'Amberley s'y rende à une heure avancée, de telle façon qu'il ne pourrait ensuite en revenir qu'au cours de la journée du lendemain. Et afin de m'assurer du succès de mon entreprise, le docteur Watson devrait l'accompagner. Et je pris le nom du vicaire de l'endroit de mon Crockford. Tout est-il à présent clair pour vous? C'est magistral, murmura l'inspecteur d'une voix impressionnée. Et puis, alors, sans crainte d'une interruption, j'entrevis alors de m'introduire dans la maison. J'ai toujours considéré que le métier de voleur aurait constitué une excellente alternative à la carrière que je choisis et que j'y aurais excellé. Et voici ce que je découvris. Observez le tuyau qui court le long de la plinthe ici. Bien, il s'élève en atteignant l'angle du mur où il y a un robinet. Et comme vous pouvez le voir, le tuyau continue sa route jusque dans la chambre forte, où il va se perdre dans la rosace de plâtre du plafond, disparaissant au milieu de ses ornements. Et cette extrémité du tuyau n'est pas bouchée. À n'importe quel moment, en tournant le robinet, se trouvant à l'extérieur, la chambre forte peut être inondée de gaz. Dans une configuration où les portes et fenêtres seraient fermées en ouvrant un robinet à fond, je ne donne pas 2 minutes à une personne se trouvant dans la pièce pour perdre connaissance. J'ignore par quelle suggestion diabolique Amberley réussit à conduire et confiner sa femme et le docteur Ernst dans cet endroit, mais toujours est-il qu'ils se trouvèrent à sa merci.
L'inspecteur examina le tuyau avec intérêt. Ah oui, l'un de nos hommes avait effectivement fait mention dans son rapport d'une odeur de gaz, dit-il. Mais les portes et fenêtres ayant été laissées ouvertes et les travaux de peinture étaient en train, alors, selon son propre témoignage, Amberley avait commencé à repeindre la veille. Et quoi d'autre, monsieur Holmes? Eh bien, je fus ensuite victime d'un événement assez inattendu. Alors que je me glissais à l'aube par la fenêtre du cellier, je me sentis saisi au collet et une voix murmura à mon oreille « Que fais-tu ici, coquin ?» Je parvins à me retourner à demi et aperçus mon propre reflet dans les lunettes traitées de mon rival et ami, M. Barker. C'était une bien curieuse coïncidence qui nous fit sourire tous les deux. Il se trouvait sur le lieu à la demande de la famille du docteur Ray Ernest, qui lui avait demandé de procéder à des investigations complémentaires. Et il en était venu aux mêmes conclusions. Il avait surveillé la maison quelques jours durant et avait pris le docteur Watson pour un suspect. Il pouvait difficilement arrêter Watson, mais il en fut tout autrement de l'homme qui se glissait la nuit par la fenêtre du cellier. Bien sûr, je lui ai fait part de mes découvertes et nous avons ligué nos forces pour poursuivre l'enquête ensemble. Mais pourquoi avoir sollicité son aide? Pourquoi pas la nôtre? Parce que j'avais dans l'idée de tendre un petit piège qui a réussi admirablement. Je craignais que vous ne vous y opposiez. L'inspecteur sourit. Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Je puis donc compter sur votre parole, monsieur Holmes, pour vous effacer de cette affaire et nous en laisser retirer le bénéfice. Oh, certainement. Cela fait d'ailleurs partie de mes habitudes. Eh bien, au nom des forces de police, je vous en remercie. L'affaire semble telle que vous l'avez présentée très claire et mettre la main sur les cornes est sans doute plus qu'une question de temps. Permettez-moi de vous faire part d'un indice complémentaire, dit Holmes. Je suis certain qu'Amberley lui-même ne l'avait pas relevé. L'on ne parvient jamais au meilleur résultat qu'en se mettant à la place de l'autre et en réfléchissant à sa place. Cela demande une certaine imagination, mais cela s'avère payant. Bien, supposons que vous soyez piégé dans la chambre forte. Vous savez que vous n'avez pas 2 minutes à vivre, mais pourtant vous ne souhaitez pas renoncer à perdre votre meurtrier qui se trouve probablement de l'autre côté de la porte. Et que faites-vous? J'écris un message. Parfaitement. Vous voulez que l'on sache comment vous êtes mort. Vous ne l'écrivez pas sur un morceau de papier, cela attirerait l'attention de votre assassin. Si vous l'écrivez sur le mur, l'inscription pourrait en être effacée. Maintenant, regardez, juste au-dessus de la plainte, à l'encre pourpre indélébile, est inscrit « Nous avons été ». C'est tout. Et que disiez-vous de cela? Eh bien, l'inscription se trouve à peine quelques centimètres au-dessus du sol. Le pauvre diable, auteur de ces mots, était mourant lorsqu'il l'a écrite, et il perdit connaissance avant d'avoir pu terminer. Il avait l'intention d'écrire « Nous avons été assassinés ». Oui, c'est ce que je perçois également. Si vous trouvez un stylo à l'encre indélébile sur le corps, nous le chercherons, soyez-en assurés. Mais en ce qui concerne les titres,
il est à présent très clairement établi que le vol n'a pas eu lieu. Et pourtant, Amberley détenait bien les valeurs qu'il a déclarées volées. Nous avons vérifié. Oh, vous pouvez être certain qu'il les a placées en lieu sûr. Après que l'affaire eût été classée, il les aurait soudainement redécouvertes, annonçant que le couple coupable s'était repenti et lui avait renvoyé le bulletin ou l'avait laissé sur place avant de disparaître. Vous semblez avoir envisagé toutes les éventualités, dit l'inspecteur. Je comprends que Marley se soit cru obligé de déclarer l'affaire à la police. Mais je ne m'explique pas la raison pour laquelle il s'est également adressé à vous. Pure as bluff, répondit Holmes. Il s'estimait si intelligent qu'il pensait être invincible. Il aurait par la suite pu opposer à n'importe quel voisin suspicieux. Rappelez-vous les démarches que j'ai entreprises. J'ai non seulement fait appel à la police, mais encore à Sherlock Holmes. L'inspecteur rit de bon cœur. Nous vous pardonnons votre « mais encore à Sherlock Holmes », dit-il, pour les bons et loyaux services que vous nous rendez dans cette affaire. Quelques jours plus tard, mon ami me tendait un exemplaire du billet hebdomadaire « Northshire Observer ». Juste au-dessous de quelques lignes d'un gros titre flamboyant qui commençait par « L'horreur du Haven » et se terminait par « Une brillante investigation policière », s'étirait une colonne serrée livrant la chronologie de l'affaire. Le paragraphe de conclusion la résumait tout entière. Il était rédigé en ces termes. La perspicacité remarquable avec laquelle l'inspecteur Mackinson déduisit de l'odeur de peinture qu'une autre odeur, celle de gaz par exemple, cherchait à être dissimulée, la déduction selon laquelle la chambre forte pouvait également avoir joué le rôle de chambre de mort, et l'enquête subséquente qui a conduit à la découverte des corps dans un puits désaffecté, habilement dissimulé par une niche, devrait figurer dans les annales du crime et l'illustration des qualités indéniables de nos détectives professionnels. Après tout, Malkinton m'est sympathique, dit Holmes avec un sourire indulgent. Vous pouvez pour l'instant entreposer cette affaire dans vos archives, Watson. Un jour viendra peut-être où la vérité sur le déroulement de l'enquête en sera dévoilée.